Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool ou Mike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionnent les défis, enfin les quêtes de la saison 5 de Fortnite. Alors tout simplement, quand vous arrivez sur votre lobby, vous appuyez sur votre bouton tactile pour voir les quêtes. Et ensuite, vous avez les quêtes de toutes les quêtes. Voilà, les quêtes quotidiennes, toutes les quêtes mélangées, donc de la semaine aussi. Alors j'ai juste une question qui me trotte, c'est est-ce que demain à 15h, on aura les défis? Parce que je pense que ce sera à 15h, parce qu'ici il est marqué 7 jours et 23h. Donc je pense que ce sera 15h, voire 14h. Mais est-ce qu'on aura les défis de jeudi de la semaine 1? Parce que si ça c'est les défis de la semaine 1, je vais pas vous mentir qu'on n'en a pas eu beaucoup. Hein. Par contre, donc là on a les défis de la semaine. On va dire que c'est les défis de la semaine, ok? Et on aura les prochains défis sûrement jeudi prochain, on va dire, ok? Et là, vous avez des défis temporaires. Ça c'est les défis qu'on avait journaliers. Dans la saison 4 par exemple, on avait des défis journaliers. Et quand vous les finissiez, ben, ça remplaçait par un autre défi, etc. etc. Et au bout de 24 heures, si vous ne les faisiez pas, vous avez un boost XP et vous aviez des autres défis. Donc là, c'est exactement pareil, sauf que cette fois-ci, ils nous ont mis un compte à rebours. Donc dans 23 heures et 7 minutes, et ben là, nous aurons des nouveaux défis. Donc demain à 15 heures, nous aurons des nouveaux défis quotidiens. Et en fait, quand vous allez finir un défi, ça va le remplacer par un autre défi. Donc effectivement, c'est un peu... pas vraiment dérangeant, mais moi qui fais les tutos défis, bah, faut que je réalise tous les défis, tous les tutos des défis. Donc par exemple, moi j'ai dû faire l'emplacement d'une valise secrète. Ben, je vais devoir faire tous les défis pour pouvoir voir les défis qui vous seront utiles. Donc c'est possible que je ne sorte pas les défis directement, bah, parce que je ne les ai pas encore débloqués. Donc voilà, il faudra faire preuve de patience. Alors autre chose, ici c'est une nouveauté, vous avez un défi par semaine, je pense que ce sera par semaine, là il est juste marqué 7 jours et 23 heures parce qu'ils ont sorti les défis mercredi à la place de jeudi, donc c'est ce que je pense. Donc chaque semaine, nous aurons un défi épique qui sera un défi à durée déterminée. Donc vous aurez 7 jours pour réaliser le défi épique et gagner 55 000 XP. Et ce défi, toutes les semaines, si vous ne le faites pas, bah, il s'effacera. Donc ça, c'est un défi qu'il faut vraiment faire. Voilà, il faut au moins aller une semaine, chaque semaine sur Fortnite, réaliser ce défi pour gagner 55 000 XP. Donc là, c'est un défi assez long, il faut compléter des contrats. Bah, ça va assez vite, hein, si vous en faites plusieurs en une seule game, je pense que ça peut aller vite. Mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne les défis maintenant. Alors autre chose, ici, dans le pass de combat, nous avons des défis cachés. Donc là, ils seront bientôt disponibles. Donc, on ne sait pas quand ils seront disponibles. Donc, on peut voir qu'ici, bah, c'est des défis atypiques, légendaires, rares, légendaires, épiques. Pour les personnages, vous avez des personnages à débloquer. Donc, les variantes, des styles du personnage. Et là, vous allez devoir réaliser des quêtes quotidiennes épiques. Ouais, c'est des quêtes épiques. Donc, pas les jaunes, hein, c'est des violettes comme ça. Donc ça c'est épique, il faudra faire les défis épiques comme celle-ci, voilà les deux là qui sont là. Et pour les débloquer, par exemple la première variante, pour la débloquer il faut faire... je l'ai déjà celle-là apparemment. Non c'est bon, il faut que j'accomplisse 12 défis épiques et il faut que j'atteigne le niveau 15. Ici il faut que j'accomplisse 19 défis épiques pour débloquer la musique. Ici il faut que je fasse 26 défis épiques et que je sois palier 29. Ici, il faut que je fasse 33 défis épiques pour avoir la traînée de fumée. Et ici, vous devez accomplir 40 défis épiques et être niveau 60 pour débloquer cette variante. Donc voilà, là c'est... voilà, là je pense que je vous ai tout montré. Ah non, il y a encore ici, niveau 45 niveau épique. Ici, niveau 73, donc 73 paliers et 52 épiques. Ici, 59 épiques. Ici, 79 niveaux paliers. 66 épiques. Ici, 73 épiques. Et là, le dernier. Donc, il faudra être palier 96 et faire 80 épiques. Donc, je pense qu'il va falloir faire beaucoup de quêtes quotidiennes.
hebdomadaires plutôt, par semaine, en niveau épique. Il faudra surtout les faire toutes pour pouvoir les débloquer, débloquer toutes les variantes et toutes les récompenses qu'il y a à débloquer. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit, je pense que j'ai rien loupé. Bon, je trouve que c'est un peu simplifié comparé à la saison 4. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais on n'a pas de carte à remplir, on a que des petits défis comme ça. Et enfin voilà, je sais pas. Après, il y a un autre truc aussi. Ici, quand vous allez débloquer ce personnage au niveau 15, vous allez recevoir des quêtes. Donc des nouvelles quêtes. Alors je ne sais pas du tout c'est quoi ces quêtes. Je vais essayer de me renseigner pour faire le tuto le plus rapidement possible sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner hein, si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous serez au courant de toute l'actualité Fortnite. Et voilà, pour ça, pour chaque personnage, vous avez des quêtes supplémentaires à débloquer. Donc à chaque palier de personnage. Donc ici, palier 41, vous avez des quêtes. Après ça, c'est des variantes. Après, il y a encore des quêtes pour le personnage Condor au palier 60. Et je pense qu'il n'en reste que deux. Lexa au palier 73. Et le dernier, le gladiateur, donc menace au palier 83, excusez-moi. Donc voilà. Enfin bref, ah, attendez, et au palier 100 aussi. Pour Mandalorian, vous avez aussi des quêtes à débloquer au palier 100. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao. Peace. Yummy, bruh.